Tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va faire un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc je m'en excuse. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo info. Voilà, donc pour vous expliquer tout ce qui s'est passé et qui va se passer. Donc déjà pour commencer, j'ai fait encore une pause. Donc je devais m'arrêter de faire une pause là, parce que je m'en avais fait une il n'y a pas longtemps. Mais là, je suis bien. Pour mon cas, je viens de rentrer en cinquième. Donc du coup, je préférais quand même consacrer mes journées à travailler que faire des vidéos. Puis le manque d'inspiration aussi, voilà, je n'arrivais pas. Voilà, donc j'ai pas mal de mal en ce moment à faire des vidéos. D'autant plus que j'avais pas eu beaucoup de nouvelles choses par rapport à mon centre équestre. J'ai pas eu de nouveau chelet, j'ai pas eu rien du tout pour l'instant, donc je trouvais pas ça utile de faire des vidéos. Après j'aurais très bien pu faire des tags, mais j'avais vraiment pas le temps et j'avais pas envie. Voilà, j'étais un peu flemmarde on va dire. Même là en tournant cette vidéo, j'ai un peu la flemme. Donc je tiens à dire aussi qu'il n'y aura pas de montage pour cette vidéo. Voilà. Donc la seule chose qui a légèrement changé, c'est que tous mes animaux chelèches, dont ces trois-là, si vous vous en souvenez bien, je les ai mis sur une étagère à côté des chevaux. Donc je les ai bien séparés quand même, au cas où. Donc vu quand même que je tourne une vidéo, ce serait pas très intéressant si je ne vous présentais rien. Donc je vais quand même vous présenter deux petites choses. Donc, je tenais à vous présenter deux dessins que j'ai fait il y a très peu de temps. Comprenez, nous avons ce visage. Donc, j'ai fait un œil orange, un œil vert. Donc, j'essaie toujours de faire des choses assez réalistes, mais bon, c'est assez dur quand même pour moi. Voilà, donc là, ce que j'aurais pu faire, c'est donner quand même une couche un peu plus épaisse au niveau de l'œil. La forme de l'œil, celle-ci est mieux faite. Regardez si je cache cet œil. Voilà, donc on voit bien deux expressions différentes. Si je cache par exemple l'œil vert, on voit sur cet œil une expression normale. Alors que si on regarde cet œil-ci, on a plus une expression de tristesse. Voilà. Ça c'est un petit défaut qu'il faudrait que j'essaie d'améliorer. Et ensuite, j'ai ce dessin que j'ai terminé tout à l'heure. Donc voilà. Donc en fait c'est un visage couvert de peinture en fait, enfin c'est comme une sorte de peinture qui est éclaboussée en fait. Donc là j'ai fait les yeux, donc ça va, ils sont plutôt pas mal. Donc bien sûr ils ne sont pas symétriques, rien n'est symétrique si vous voyez, regardez hop, la différence, rien n'est symétrique. Et c'est fait exprès parce que franchement en vrai on n'a pas du tout le visage symétrique, si on avait le visage symétrique, Dieu quelle horreur. Donc j'ai trouvé que ça ressemble à un chat, je sais pas si vous voyez au niveau du nez et des yeux, si on enlève la bouche, même avec la bouche. Voilà, donc avec les ombres, j'ai fait ça à la au crayon un peu assez foncé. Voilà. Ensuite, changement de sujet complet. J'ai fait des achats. Mais bon. Quoique, non, je vais rien vous montrer. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, parce que sinon, c'est pas très. J'aurai rien d'autre à montrer dans cette autre vidéo sinon. Voilà, donc j'espère que mon retour vous plaira. Que. Voilà, donc je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement. Déjà, j'avais tourné une vidéo assez bien, mais qui s'est effacée malheureusement. J'étais vraiment dégoûtée. J'avais mis bien 2 heures à la faire. Voilà, mais j'espère que vous m'en voulez pas de cette assez longue pause. Donc en tout cas, j'espère pour vous que votre année, enfin votre rentrée se passe très bien. Et je vous dis à la prochaine. Bye!